Représentant le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso à la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'étranger, a saisi l'opportunité de son passage à la tribune des Nations Unies ce 24 septembre pour revenir sur la situation politique post-électorale au Congo. Le chef de la diplomatie congolaise a insisté sur les raisons des réformes constitutionnelles que le Congo a eu opérées. Les récentes évolutions institutionnelles que mon propre pays a connues à la suite du scrutin référendaire du 25 octobre 2015. Ce scrutin a permis l'adoption d'une nouvelle constitution plus adaptée aux exigences de l'état de droit dans son acception la plus communément partagée. Une constitution qui renforce le principe de séparation des pouvoirs. Évoquant le thème de cette session, à savoir les objectifs de développement durable, une nouvelle impulsion pour transformer le monde, le ministre congolais des Affaires étrangères a donné la position du Congo et la place qu'occupe le développement durable dans le programme du gouvernement. Dans le siège des recommandations du G20 récemment organisé en Chine, Jean-Claude Gakoso a plaidé pour une situation pacifique en RDC, au Gabon et au Soudan du Sud. Nous invitons nous aussi nos frères congolais à privilégier la recherche de solutions pacifiques, notamment par le biais d'un dialogue inclusif. Au Gabon, la crise post-électorale a engendré des violences qui demeurent une source de préoccupation pour nous tous. Nous formons le vœu ardent de voir le peuple frère de ce pays puiser dans les profondeurs de la sagesse bantoue que nous avons en partage. Le ministre congolais des Affaires étrangères, après avoir signé le livre d'or de l'ONU, s'est entretenu à huis clos avec le secrétaire général Ban Ki-moon. Jouant la diplomatie directe, le ministre Jean-Claude Gakoso a également échangé avec le sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, s'est réjouie de la normalisation de la coopération entre les États-Unis et le Congo.